Et salut les loulous, ici Gaminou pour le 7ème épisode de la Race Crystal pour Ivasam Studio. La dernière fois, on avait continué notre périple jusqu'à Rosalia, où on avait remarqué qu'on ne pouvait pas entrer dans cette arène de type spectre tenue par Mortimer. Mortimer qu'on avait rencontré dans la Tour Cendrée, qui est notre destination. C'est pourquoi je ne sais pas du tout pourquoi je me dirigeais vers le centre Pokémon alors que je m'étais déjà soigné la dernière fois avant de quitter. Il y en a là-dedans ma tête, non? Franchement, honnêtement, jugez pas. Bref, la Tour Cendrée. Une tour qui jadis brûla. Certains disent que Raikou, Entei et Suicune sont issus des trois premières évolutions qui auraient péri dans les flammes, même si je vois pas comment est-ce qu'un Pyroli pourrait mourir dans les flammes. Que c'est une flamme. Hey, salut toi. On a notre rival. Oh, c'est toi. Je suis venu ici pour trouver une sorte de Pokémon légendaire. Mais y'a rien ici. Ils en sont paumés pour rien trouver, ça m'énerve la tête. T'en faire baver, mec. Allez, allez, blablabla. Point d'interrogation, faut se battre. Un Spectrum. Un petit entraînement pour l'arène. En espérant ne pas prendre trop cher. Ce Caninos, il va vraiment être indispo là. Oh, ça va pas le faire. Michouille. Tu sais. Ah non, je l'ai mise à Netkin la vie. C'est vrai. Et bon, on va bourrer la morsure. En espérant qu'il n'y ait pas de paralysie. Mais comme je viens d'en parler, il va y en avoir. Je vous l'ai dit à l'épisode dernier, je lis dans la RNG, je lis ce qui va se passer. Aussi. Mais 500 moins d'XP. Ça respecte. On nous fera rapidement. On va rester en combat et on va utiliser un antipara. On va faire ultrason. Ah non, on peut lire. On va tenter. Ah, il est plus rapide. Alors, on folie plus morsure, ouais, non. Ok, on se casse. On va mettre Paras pour voir ce qu'il va faire. Pire, ça fera gagner un tour pour Rakaillou. Et au mieux, survivre, je peux soigner. Ouais, survivre. Eh bien, Rakaillou, hein, tu vas venir à l'aide. J'ai envie de dire. Tu vas faire un bon jet de pierre. Ok, t'esquive l'ultration, c'est parfait. Il va falloir m'expliquer l'utilité d'un tour comme ça, par contre. L'OS, hein, c'est un osseur actif, pas déconner. 115 points. Utiliser Furisson, oui, on va changer de Pokémon, on va essayer de mettre Netkin. On va voir. Après, on est bas level. Ça, ça va être terrible. On est plus rapide. Par contre, Brouillard, je le sens pas du tout. Et non, c'est Hospital apparemment. Ah d'accord, le coup critique qui fait plaisir. Bon bah... Vous connaissez la musique, hein. Rakaillou, vas-y. Fiche. Allez, la brûlure. Ah, on s'est jamais pris la brûlure, hein. C'est vrai que ça m'étonne. Allez, on soigne Canisos. Au cas où. On a un brouillard. C'est pas grave, on va faire en pleurs. Hop. On a moins en précision, mais bon, ça devrait aller quand même, je pense. En pleurs 5. Raté.
Puis en plus, franchement, faire en pleurs dans une tour en ruine qui a brûlé jadis. C'est une très bonne idée. Comme si on faisait éboulement. En pleurs 6, celle-là, elle passe. Est-ce qu'on le tue? Ouais. Parfait. Et 300 points d'XP. Donc 300 points pour Netkin aussi. Il passe pas le level. On va utiliser Magnéti et voilà, Canisos. J'ai bien fait de le soigner. Je le savais pas que c'était Magnéti qui allait venir. Et ben on va bourrer Flamèche. Et voilà. 300 points d'XP, le Néo Zivit. Une attaque peut-être. Prends grosse boîte, bon ok. Sachant que là on attaque seulement sur le spécial, c'est pas très utile. Pff, qu'un intérêt. Pff, minable. Non, je vais faire une vodka sauce. Enfin, cassos. T'aurais jamais un Pokémon légendaire de toute façon, t'es zéro. Ah. Oups. Pff, tombe dans les trous. T'es pas trop bête, c'est bien. Minable. Waouh. Eh, salut. J'ai creusé un trou ici. Quel choc. Suicune s'est mis à débouler juste dans mes yeux. Ça faisait 10 ans que je cours après Suicune. Enfin quelque chose. Quel choc. Game, je te dois beaucoup. Merci. On dit que les Pokémon légendaires de Rosalia testent certains humains et leur laissent s'approcher. Je vais poursuivre Suicune. Game, à très bientôt. Au revoir. Je sais pas ce qu'il y a ici. Je sais pas si c'est des Pokémon sauvages. Ok, force. Donc, on peut pas y aller. Il va falloir le badge. Je sais plus quoi pour l'avoir. Et ici on a Rosalia. Wouhou. Donc la tour cendrée c'est fait. Là techniquement on peut aller à l'arène. Sauf que comme on vient de le voir face au Spectrum, l'arène est Spectre, hein, donc beaucoup de tantominus de Spectrum et surtout un ectoplasma. Là face à un Spectrum niveau 20, il nous a fallu 3 coups pour le battre et la moitié de notre vie. Ce qui est pas très avantageux pour la. Enfin, ce qui est pas très encourageant pour l'arène. Sachant que le ectoplasma de Mortimer est niveau 25. Et que c'est un ectoplasma. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'entraîner sur la route 38. Et on va plutôt entraîner Caninos surtout. Donc cet épisode, ce sera encore de l'entraînement. On ira seulement à l'épisode d'après, à l'arène. Ah, Axoto, génial, le meilleur Pokémon pour niveau 19, oh là. On a du retard là sur les levels. J'aurais peut-être dû mettre Netkin quand même. Mais bon, on va trancherbe. C'est ça le plus simple. La double faiblesse. 105 points, c'est pas des masses. Ah, presque niveau 21. T'es cool. Alors c'est cool, il a dit, je ne sais plus. T'as l'air de t'y connaître un Pokémon. Tu veux bien me donner des conseils? Non. Un l'énergie. Qu'il est tout mignon, tout plein. Est-ce que la morsure ça... Oh là là, je fais rien. On va tenter Flamèche. Avec le stab. Hein. Ouais, c'est pas mieux. Faire morsure pour tenter le flinch. Hein. Quand même. Chance sur 3. Ça fait plutôt mal. Hein. Après c'est un Pokémon évolué, pas nous. Même si Caninos est vraiment plutôt fort pour un Pokémon de base. Ça reste un Pokémon de base.
là l'énergie normalement c'est bon, voilà. J'ai pris un risque hein, quand même. 450 points, ça se fait du bien. C'est un psychoquack. On va rester et on va switcher. Hop, macro. Ouais, macronium, parce qu'il a. Je pense qu'il a choc mental, donc Netkin ce serait pas une bonne solution. Entrave, d'accord. Et même pas l'OS. Voilà, il a choc mental. J'ai bien fait. J'avais un doute, mais j'ai bien fait de suivre mon instinct. Pour une fois. Hop, le coup de boule. Et hop, le niveau 21 pour Macronium. Tu veux pas vous prendre Vampigraine toi un jour? C'est cool. Je vois, c'est pas mal. Alors, sac, on a plus de potions du coup? Si, on en a 10. Bon, on va utiliser une super potion. C'est quand même un gros bobo. Hop. Alors, au bout, il y a un dresseur, voilà. Je vais te montrer ce que j'ai appris aujourd'hui. Tu es un écolier? Pourquoi t'es pas à l'école? Ah, c'est les vacances. Maintenant, tu l'as appris aujourd'hui. Pourquoi tu sèches ton cours? Bon, monsieur Mime. Tipsy, morsure. Et voilà, les Pokémon sont au niveau 19, donc c'est du bon XP, je trouve. Même si, ouais, ils vont faire mal, je pense. Ouais, en plus, il est plus rapide. Dès la confusion. Ah. Ça passe. Ouais, ça passe. Comment je lui fais? Oh, je lui fais rien. Ouais, bah, para, c'est un casse-pipe. Il est rapide, monsieur Mime. Je pensais qu'il était hyper lent. Bien évidemment, on va envoyer une Netkin. LOL. On va voir avec Trancher. Je suis plus rapide que lui. Ah, un coup critique. Ouais, je lui fais rien. C'est hallucinant ça. Et re la confusion. Ouh. Allez, Macronium, je crois en toi. Même si apparemment je devrais peut-être pas. Ok, sac, la super potion. On n'a pas le choix de se soigner, hein. Il fait yoga, ok, c'est bien. On prie. J'aurais peut-être dû faire coup de boule pour la tentative de flinch. Ça aussi, là, il y a un critique. Hé hé. Ok. Presque 300 points d'XP chacun. Faut que j'étudie encore un peu. Oui. Même si je te rassure, t'es quand même plutôt fort. Toujours est-il que on va voilà, se soigner un peu. Une petite potion pour Caninos. Enfin, pour Canisos, pardon. Toi, tu es une dresseuse aussi. Trouve pas avec Pokémon et moi, on a une classe folle. Faut que j'arrête de faire des voix de pouf aux nanas. Je vais avoir des féministes sur le dos. Ah. Je vais tenter avec Netkin. Parce que Corrayon est hyper chaud, donc double pied. Après cela dit, s'il me fait que écume, je vais regretter. Oh, quoique, 7 PV, ça va. Hop, ce sera du trichot. Bon, ça va, facile. Plus facile que Monsieur Bim. Hop, au prochain coup, tu es mort. Ah, peut-être pas. Ah, peut-être pas. Si, si. Pas déconner non plus, quand même. Encore 200 points, Netkin niveau 18. Une petite attaque? Non. Pas un petit Darvenin ou quoi? Darvenin, ce serait bien, parce que pour empoisonner, ça peut être cool.
Montre-moi tes Pokémon. Tout de suite! Ok, ok, t'es pas flic, mais si tu veux, me regarde pas comme ça. Damien Kinesis, il envoie un Ramolos. Est-ce qu'il a pistolet en haut? Oh, on a rien du niveau 19. Non, il a pistolet. J'aimerais bien passer quand même. Allez, niveau 21, ce serait bien pour l'arène, je pense. Enfin, ce serait vraiment le minimum vital. J'aurais bien aimé Flinch, par contre, il fait mal, hein, Ramolos. Mais 360 points d'XP, Inoue. Hop, encore Ramolos, parfait. Ah, il est niveau 20 celui-là. Ouh, j'aurais peut-être pas dû. Oh, celui-là il va pas passer. Ah non, il est pas. Oh, le coup critique, aucune chance. Bon. Zut. J'ai fait coup de boule. Ah, dommage. J'ai pas vu qu'il était niveau 20 en fait. J'ai lancé mon attaque après. Ah, 400 points d'XP en plus, ça aurait fait du bien ça aussi. Ah ouais, tes Pokémon sont forts. J'ai même pas utilisé ma bicyclette. Ah, on est obligé d'en battre au moins un. Moi je crâne avec mon Pikachu. Pika Pikachu. Pas content le garçon. Je suis pas content. C'est un caillou en premier, je crois, zut. Merde. Mon fils, je trouve cela fort inconfortable pour le l'X-Page qui se rapporte au plumage de nos Pokémon. Ampleur 6, ça passe. Je crois qu'il meurt là, Pikachu. Ouais. Ah, je fais beaucoup d'erreurs là par contre. Etienne Pokémon a perdu. J'ai pas pu crâner. Hop! C'est dresseur là, on va les soigner avant, on les fera après. Encore toi? Pas la peine de paniquer, je me tracasse pas avec des Minus comme toi. Bon, Minus, le champion de l'arène n'est pas là. Soi-disant en train de s'occuper des Pokémon malades au phare. Ils sont donc filés, Pokémon malades. Pokémon qui veut pas combattre est inutile. Pourquoi tu vas pas t'entraîner au phare? Qui sait, ça te rendra peut-être moins faible. Bon, en fait, il a un petit rhume. Hop, le soignage. Donc voilà, maintenant que je suis soigné, je vais aller au shop. Ouais, ouais, ouais. Donc je suis soigné, ouais, je vais aller au shop. Je vais acheter. Bon, quelques super potions. 3, ça ira. Ouais, sans doute. Maintenant que ça s'est fait, c'est pas toi qui... Ah ouais, il me semble qu'il y a un marin qui donne force. Oh, tes Pokémon ont l'air de mauviettes, ils peuvent pas déplacer les rochers, je parie. Tiens, prends leur force. Merci bien, monsieur. Ah bah oui, monsieur, il faut se faire confiance. Tour de combat. Il y a une tour de combat dans Cristal. Genre. Ah merci. Ça je savais pas. Ah, il y a la tour de combat dans Cristal. Wow. Dresseur. Il y a un grand immeuble devant. C'est quoi donc? C'est-tu quoi donc que c'est? Bon, encore du de la perte de temps. Je vais finir les dresseurs qui avaient au nord. Je reviens d'Olivier, ça te dit un petit combat Pokémon.
Toujours. Il est plus rapide, hein. Ah, il a pistolet. Comme il enlève. Ah. Ah, je suis gourmand. C'est bon, ça passe. Hop, encore un bon 500 points d'XP. Ah, il y a encore des autres Pokémon, Krabby. Non, je vais switcher, je vais utiliser les techniques de switch, là. Ouais, quoique... Combien de dégâts il me fait? En soi. Ouais, Krabby, il a pas pistolet là-haut. Une phrase à peu près 7 de dégâts. J'aimerais bien un coup de flinch quand même. Honnêtement, c'est jouable. Oui, ou un KO. J'aime bien aussi. Waouh, il donne tout ça! MG, grande attaque. Attaque, moi si on enlève les attaques. Beaucoup trop. Classe aussi, je le brûle, je switch. Je vais mettre Netkin, parce qu'il a double pied, je rappelle. Ah ouais, par contre, prendre mort. Ouais. Je suis plus rapide après. Oh la blague. Ah non, c'est hospital. Bon bah, Dieu net. Salut. Du coup, c'est Macronium qui va finir. Dommage, on est à rien. On est à quoi, 2-3 PV maximum. Canisos au niveau 20. Macronium qui ne bouge pas. C'est dommage, c'est dommage. Maman. C'est un bel objet acheteur, j'ai lancé tes sous, désolé, ça va être dans le siège, je vais le faire. Que non, non, sac. Ah, je vais utiliser deux potions. Bon, faut que je me dépêche quand même, hein. On ne faut pas oublier que c'est une race quand même à la base. Tu viens au bon moment. Combat. Ah, ok. Que 1. D'accord. Miaous. Miaous. Ben parfait. Ah, il a morsure aussi. Combat de morsure. Oh non. Non, ça va. Quand même, on se souvient du miaous de la reine de Zoubonville. Ah oui, il a une baie, c'est un Pokémon de Pokéfan, c'est vrai. La morsure. Allez, encore un coup, il est mort. Ah, j'ai encore la trouille. T'as pas de jackpot là? Fais gagner des sous en même temps. Non, fait une fois morsure, une fois griffe. Je vois pas trop ce que l'intelligence essaie de faire, enfin ce que l'IA essaie de faire. Marthe Pokéfan a perdu. Bah ouais, mais bon. Moi, je suis obligé de me re-soigner, quoi. Heureusement, j'ai le PV plus à revendre après. Les jolis Pokémon. Allez, on se les montre en même temps, ok? Tatiana Pokéfan envoie Pikachu. Très bien. Putain.
Et c'est parti pour des reflets, c'est génial. Ok, on va lui faire flammage d'emblée. Je m'en fiche si je perds. Notre lait est même vendu à Kanto. Si notre fidèle écrémeux ne donne plus de lait, c'est la faillite. Bah je dis des écrémeux ne donne plus de lait. Pourtant il était bien bon notre lait d'ici. Et tout le monde y va boire. Si j'avais des bœufs à lui donner, elle m'en donnerait du lait par le fait. Bah c'est-il tout étant, on n'a pas de baie. Pas d'objet. Au revoir. Bon, ça m'inquiète parce qu'on est même pas niveau 21 en fait. Voler mes jolis mes jolis petits Pokémon. On est même pas level 21 avec Caninos. Ah, ça va être compliqué, je pense. J'aimerais quand même, ouais, reprendre un autre level. On est même pas niveau. Oh là 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 là. Après, en soi, il y a les dresseurs avant. Hop, merci pour la furie, c'est gentil. Hop, 300 points d'XP. J'aimerais bien passer au moins le niveau 21, quoi. Je pense que c'est vraiment le minimum syndical, quoi. Après, le combat sera peut-être compliqué, je veux bien, mais bon. Et que dire du combat d'encore après? Enfin, de l'arène d'encore après. L'arène de check. Ce sera level 30, je crois, à peu près. Ah, ça va être compliqué, là. Hop, encore un Dodio, merci. Pourquoi est-ce que t'as trois fois le même Pokémon? Et toi, t'es plus rapide par contre. Après, t'es plus haut level, donc tu auras plus d'XP, je passerai peut-être le level. Peut-être le niveau 20. J'espère. Enfin, niveau 21, pardon. Ça va. On va tenter l'arène. Ah, une dresseuse en plus, parfait. Hé, t'es mini comme dresseur, je peux voir tes Pokémon? Bien sûr, bien sûr. Un granivole, merci. C'est gentil. Ah oui, ouais. Au niveau 17, il a charge quand même. Hop, ma petite morsure pour le finir. Un floravole. Faire pas mal d'XP ça. Si jamais on tue. Bon, c'est bon. Points d'XP. Merci, bonjour. Merci, sympa. J'ai envie de voir le niveau des Pokémon. Si des Pokémon insectes, ça pourrait être bien pour l'XP. Ou plantes. Ah, 9 endormis, parfait. Et du coup, je sais pas quel niveau ils sont. Donc, on me donne 140 points. Ouh. C'est peu.
serait peu bon. On va le soigner. Je pensais qu'on aurait pris quand même plus d'XP. Du coup, on va se laisser devant l'arène de Rosalia pour le 7ème épisode, si je ne m'abuse. On va sauvegarder tout de suite et on arrive à 3h22 de jeu. Merci à vous d'avoir suivi en tout cas ce 7ème épisode de la Rise Pokémon Crystal pour y passer au studio. Je vous dis à la semaine prochaine pour le 8ème épisode. On verra ce que donne l'arène. En attendant, portez-vous bien. A plus.